Jérôme. Dis donc, t'es encore là, mais t'es partout, toi. Ouais, c'est un truc de fou. Alors, ouais. Bienvenue au commissariat de la 2.0. T'as vu les, t'as vu l'éclairage? Là, il va falloir que tu avoues ça. En fait, c'est l'hologramme de Mélenchon qui est partout. Bon, alors, écoute, tu représentes quoi et qui ce soir? Je représente l'amour du rhum et la passion, Seb, comme d'habitude. Ouais. Non, je représente les frères de la côte et les rhums très sombresse, transportés à la voile écologiquement sur le bateau très sombresse, sans moteur, à la force du vent et qui, en plus d'être écologique, etc., améliore le rhum, en tout cas le rend différent. Avec le vieillissement dynamique. Alors, qu'est-ce que t'appelles le vieillissement dynamique ? Le vieillissement dynamique, c'est un mot un peu bâtard qu'on a inventé pour opposer ça au statique, c'est-à-dire que quand le chai est statique, enfin le fût, pardon, est statique dans son chai, ne bouge pas. Là, chez nous, il bouge beaucoup, donc on a dit, bah, il est dynamique. C'est de l'opposition au statique. Il subit la houle. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ce terme de dynamique, on parle d'abord de mouvement, du rhum qui va poncer un peu les doigts du fût, qui va prendre plus d'aromatique, qui va plus se brasser et plus s'oxygéner. Il va aussi finalement se charger en goût de sel, de marine un petit peu. Pourquoi de sel ? Il s'en cale ou c'est en extérieur les fûts ? C'est en cale, c'est un navire en bois avec des grosses bûches, hein, ouais, le très sombresse, une belle bête qui a des poutres qui sont de 20 à 30 cm d'épaisseur, donc en fait la cale est très hermétique. Donc en fait il fait une température plus ou moins stable, jour et nuit, etc. dans le bateau, mais dans les Antilles françaises on est limité à cause du fait que le bateau soit écologique, il n'a pas de moteur et donc on n'a pas le droit d'aller dans les ports de commerce. Donc on est obligé de pousser les fûts dans l'eau jusqu'au bateau, c'est assez fou. Donc vu qu'il se passe des choses à l'intérieur du fût avec le liquide qu'est le rhum, bah, à l'extérieur avec le liquide qu'est l'eau de mer, le fût, le bois va se charger de sel, etc. Après, il y a les embruns, il y a l'ambiance maritime pendant 6 mois qui fait que le rhum ne vieillit pas dans un chai statique, justement, il vieillit en dynamique. D'accord. Et avec quelle maison alors, du coup, tu viens de travailler, enfin, ouais, je... entre autres la favorite parce que là c'est le sujet dont tout le monde m'a parlé ce soir et dont on parle beaucoup en ce moment et on est à fond dessus depuis qu'on a fait la mise en bouteille. Emmanuel Franck, salut, et puis tous ceux qui sont dans la chaîne, parce que justement, il y a Emmanuel et Franck, mais il y a leur coupeur de canne, il y a les gens qui travaillent chez eux, je ne connais même pas tous les noms, il y a les 15 marins du Très-Sombresse, il y a ceux qui ont déchargé en Hollande, qui sont des bénévoles, il y a, nous, on a mis en bouteille à Saint-Etienne, on était 5-6, ça dépendait des jours, donc c'est une chaîne humaine, en fait, c'est une relation, déjà, nous, transporteurs, à la voile écologique, il y a beaucoup d'idéologie derrière, donc on veut moins polluer, mais on veut faire du social, on veut faire des belles choses, et en fait, connecter des beaux artisans avec des consommateurs qui aiment ce genre de produits, avec une mention propre, écologique, et puis en plus de ça, en ça, le rhum justement s'améliore, se brasse et devient dynamique et meilleur entre guillemets, enfin c'est subjectif mais tellement différent. Au goût d'avant en plus, donc on n'invente pas, on refait les méthodes qui ont marché depuis toujours avec beaucoup d'idéologie et de joie derrière, c'est cool. C'est génial. C'est la première fois que tu viens sur le Rhum l'Avenante ? Ouais, Rhum l'Avenante, première fois. Alors je connais bien les gars qui organisent le resto où j'ai fait pas mal d'arrêts justement de mes tournées de présentation de nos rhums. Là, Rhum l'Avenante, première fois que je viens en tant qu'exposant et aussi en tant que consommateur. Et tes impressions ? C'est vraiment cool, ça allait très vite. D'un coup, on m'a dit « Ah, faut vite que tu me serves un verre, ça va fermer. » J'ai dit « Waouh, c'était vachement court, faut vite que la prochaine fois, ce soit sur un week-end, quoi. Faites sur un week-end, les gars, comme ça, on a le temps de se voir. On a l'hôtel à 300 mètres, donc c'est pas mal. Pour aller clairement, c'est un salon à taille humaine, contrairement à beaucoup d'autres, où on a eu le temps de passer du temps avec les gens, on a eu le temps d'être entre nous, même exposants, de faire des choses qu'en fait, on fait beaucoup sur Internet, tous, là, sur Facebook, etc. Rapidos. Enfin, je veux dire, c'est lui qui vit qu'on aille vite, ça me trouble. Mais en gros, on fait ce qu'on fait en ligne, en vrai, ici, on a le temps de le faire, on a le temps que les gens viennent goûter tranquillement. C'est pas les cohues de certains gros salons, et c'est assez différent, et c'est franchement vraiment cool. En tous les cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps, Guillaume, pour cette minute 2.0. Enfin, 7 minutes, c'est 10 minutes 2.0. Voilà, on reste dans cette dynamique de partage, de convivialité, et c'est cool. Check. Merci, Seb. Merci.